Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse au trésor qui va se dérouler dans un très très beau pays, un pays d'Afrique du Nord, la Tunisie. C'est un pays que vous connaissez sans doute, en tout cas vous en avez certainement entendu parler, car c'est un pays très touristique grâce à ses plages, à sa côte immense, grâce à son soleil, grâce à l'accueil des Tunisiens, qui sont des gens, vous le savez, charmants. Eh bien la Tunisie est un des pays touristiques les plus connus sans doute du bassin méditerranéen, et même, je dirais, de tous les lieux touristiques du globe. Alors nous allons dans un endroit un peu particulier qui s'appelle le Cap Bon. Le Cap Bon, c'est cette espèce de promontoire, de péninsule, tournée vers, vers le nord, vers l'Italie, et si on suit un petit peu la direction de ce Cap Bon, vous verrez que très vite il y a la Sicile à environ 120 km. Et je dis ça parce que le Cap Bon a été un lieu de passage de tout temps, et pas seulement pour des raisons touristiques, mais d'abord pour des raisons historiques, pour des raisons militaires. C'est par là que sont venus les premiers envahisseurs, il y a très longtemps, puisque l'histoire de la Tunisie a trois millénaires. Carthage, où nous ne sommes pas très loin, Tunis, la capitale, ce sont d'anciennes métropoles, et cette histoire qui s'est jouée dans ces villes remonte à cette époque bien avant Jésus-Christ. Voilà, c'est donc dans ce pays et dans cette région du Cap Bon que nous jouons aujourd'hui avec deux candidats belges que je suis heureux d'accueillir, Gilda et Jacques. Bonjour Didier. Gazikian, vous êtes frères et sœurs. C'est ça. Alors nous avons eu des fils et pères, fils et mères, des oncles et neveux je crois, une belle-mère et son gendre. Vous êtes frères et sœurs. Je suis heureux de vous accueillir. Vous venez donc de la région de Bruxelles. Exactement. De la banlieue. De la banlieue, de la capitale belge. Jacques, vous êtes professeur de géographie. Alors là, je dois dire que vous avez un atout dans votre jeu, un atout maître, j'espère en tout cas. Ben, j'espère aussi. Et Gilda, vous êtes secrétaire médicale. Exactement. Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Bonjour Elsa. Je vous dirais simplement que le Cap Bon, c'est comme un doigt tendu vers les confins de la Méditerranée, Didier vous l'a dit, là d'où sont venus tous les envahisseurs. Moi, je tendrai simplement mon doigt vers cette documentation, ces livres qui vous seront infiniment précieux dans les recherches. Et je vous souhaite bonne chasse. Merci beaucoup. Bonne chasse dans cette Tunisie où nous retrouvons tout de suite Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Gilda, bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Eh bien, en effet, nous sommes au Cap Bon, à cette extrémité nord-est du pays qui est la Tunisie, un merveilleux pays où il fait très beau aujourd'hui, la mer est calme et vient taper sur ces rochers, fantastique. Eh bien, il y a un petit peu de vent qui vient de se lever aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. Eh bien, oui, nous sommes peut-être à une centaine de kilomètres de Tunis, la capitale, mais nous ne sommes qu'à 60 kilomètres d'une autre île qui s'appelle Untalaria et qui est une île italienne, donc autre que la Sicile, qui est, comme vous le disiez, à 120 kilomètres. Des trésors, il y en a beaucoup, j'espère que nous allons trouver les trois aujourd'hui, parce qu'il y en a d'après une légende tunisienne, il y en a un par village, et puis on dit que chacune des jeunes filles de ce village peut prétendre le trouver si elle remplit une mission, un exploit qui consiste, écoutez bien, dès le lever du soleil, elle est enfermée dans un amphithéâtre avec un mouton. Elle doit le tondre, elle doit le tuer, préparer le méchoui, et puis filer la laine et tisser une couverture avant le coucher du soleil. J'espère que les producteurs ne vont pas nous demander de faire tout ça en 45 minutes. Rien que ça. Jean-Yves Le Menaire à la caméra, Serge Beaupère au magnétoscope, Jean-Paul Le Fur à la radio toujours, et puis je retrouve un équipage de l'armée de l'air tunisienne avec, eh bien, aux commandes, le sergent-chef Rida, en copilote, le sergent-chef Mohamed, et un homme d'équipage, eh bien, le sergent Magil. Ces trois personnes vont nous piloter durant une heure donc d'émission au-dessus de la Tunisie. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve pour le chronomètre. Bien Philippe, alors je vous répète, ou je vous rappelle Gilda et Jacques, que vous avez 45 minutes pour trouver trois trésors, résoudre trois énigmes qu'il ne faut pas perdre de temps, je le répète à chaque fois, mais c'est très important, Elsa ne me contredira pas. Hein, il faut aller très très vite au début pour ne pas perdre de temps lors de la première énigme. Je prends la première enveloppe, merci Elsa. Philippe ? Je suis prêt. Elle vaut 2500 francs français, 17 123 francs belges. Attention Philippe, top chronomètre. Voici la première énigme de cette chasse au trésor au Cap Bon en Tunisie. En ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage, Salah vous attend et du ciel viendra le trésor. Je répète l'énigme, Philippe. Oui. En ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. Nous en disions un mot, Salah, S-A-L-A-H, vous attend et du ciel viendra le trésor. Voilà, nous réfléchissons sur ce texte.
Souhaitez-vous, Gilda et Jacques, donner une première information, une première indication à Philippe? Mais il faudrait voir ce que signifie ça là. C'est un personnage vraisemblablement. Alors le trésor, on ne le connaît pas encore, il n'est pas défini. Mais il vient du ciel, donc il faudrait peut-être... Mais il sera expliqué sans doute par l'énigme. Je crois que le plus important, c'est de voir l'histoire de la naissance de Cartagène. Oui, il n'y a personne autour de moi au Cap-Bon, c'est un endroit désert. Je demande peut-être au pilote de décoller tout de suite. D'accord. Et vous survolez le paysage alors. On va essayer de vous donner la direction le plus rapidement possible. Donc, si je vous ai bien écouté, vous allez faire une recherche sur deux directions. D'abord, essayer de savoir ce qu'est ou qui est Salah, c'est ça? Oui. Et ce que l'on peut savoir ou ce que l'on peut connaître autour de la naissance de Carthage. C'est ça, oui, on parle d'une cicatrice. Deux directions de recherche pendant que Philippe décolle avec l'hélicoptère. Oui. Alors ici... Nous survolons pour l'instant le Cap-Bon, j'attends une direction. Oui, vous êtes vraiment au Cap-Bon même, donc. Je suis d'accord. Ça va. Alors, je regarde Salah, je regarde Carthage. Évidemment, l'histoire de Carthage est très, très, très riche. Bon, moi, je crois pas que j'ai trouvé des choses Salah. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Voilà. Et l'histoire de Carthage est... Elle est vaste. C'est la naissance de Carthage, et la naissance de Carthage a trait à une légende. Il y a ici la légende de Didon, Virgile qui rapporte dans son Énéide, Carthage fut fondée en 814 avant Jésus-Christ. Mais, là, le lieu n'est pas encore signalé, les vêtements... Alors, on sait lieu qui garda jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. Alors, bon, vous avez remarqué en regardant la carte, n'est-ce pas, que Carthage n'est pas du tout... Nous sommes assez loin du Cap-Bon. Le Cap-Bon est assez loin de Carthage, donc... c'est quelque chose qui est en rapport. Oui, en rapport. Mais vous trouvez ce rapport-là. Je vais un petit peu voir si on trouve rien là-dessus. 51. On y parle ici de l'actuel golfe de Tunis, évidemment. Tunis est plus au sud. Bon, moi je regardais s'il n'y avait rien du côté de El Ouaria, mais alors rien. Ici, il y a des prophéties, mais pas de site tunisien cité. Moi, je trouve rien. On parle de Tyr, c'est au Moyen-Orient, c'est pas en Tunisie. Donc je répète l'énigme, hein, Jacques et Gilda. En ces lieux, hein, donc dans cette région du Cap-Bon, qui garde à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. L'antique métropole, l'antique ville si importante pour l'histoire, qui est assez loin de ce Cap-Bon, Salah, donc, vous attend, et du ciel viendra le trésor. Salah vous attend, ça peut être un personnage vivant, ou la représentation d'un personnage historique. Mais il faut le trouver, là. Tu as trouvé Salah? Non, pas encore. Alors, vous si en regardant à Carthage. Salah, non, ici, il n'y en a pas. Bon, en regardant à Carthage. Tous deux très méthodiques, vous pouvez peut-être regarder dans les tables de matière. Oui, la Salah n'y est pas. Salah n'y est pas? Je n'ai pas trouvé, en tout cas, ici. Alors ici, il y a toute une légende et toute l'explication de Carthage, la découverte de Carthage, mais je ne vois pas cette histoire de cicatrice. Philippe! Oui, je suis toujours au-dessus du Cap-Bon, D'accord. Ce paysage sauvage... Ben oui, Philippe, on va essayer de faire son possible pour vous donner la direction plus rapidement. Hein. Je vous le souhaite. Alors, 4 minutes 15 secondes de jeu. Bon, ici, il n'y a rien du tout. Salah. Qui peut être Salah? Ah oui. Gilda. Ah ben j'en sais rien. Un personnage pour moi, mais c'est pas certain. Ça peut être aussi un lieu ou. Alors, Salah vous attend, hein, n'est-ce pas? Pensez bien qu'il garde à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. Salah vous attend. Il doit s'agir sans doute d'un site archéologique, vraisemblablement. Ou d'un personnage. Ça ne peut être réel des ou deux, représenté. À mon avis. Oui, voilà. Mais si on parle du site de Carthage, non. Alors, la fin des lignes, c'est du ciel, viendra le présent. Oui. Dans le ciel, pour le moment, il y a Philippe. Philippe, de réfléchir aussi. La naissance de Carthage, est-ce que Carthage, comment dirais-je, Carthage aurait été déplacé? Je ne sais pas. On ne l'a pas vu pour l'instant. On cherche, il y a plein de renseignements. Mais je ne vois pas très bien. Là, il n'y a aucun site archéologique mentionné sur la carte. Oh, si on pouvait trouver ça, alors, là, ici, ça pourrait nous aider énormément, je présume.
Carthage encore, mais... non, au fond du Golfe de Tunis, c'est pas ça non plus. On essaye, on essaye. On nous parle d'un tas de sites, mais qui ne sont pas sur la carte. La nécropole de Carthage, non, c'est pas ça. Il y a un chasseur. Donc ce serait soit des Carthaginois, soit des gens ayant affaire, monsieur le professeur ah oui, de géographie. Très vraisemblablement. Avec des Carthaginois, soit une bataille. Soit une bataille. Enfin, à mon avis, c'est un lieu historique avec des traces dans le paysage. Alors, ici, on parle de Salah Ben Youssef. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air plus arabe que Carthaginois. Non, ça c'est récent. Je vous passe ce guide. Ah là là. On continue à chercher, Philippe. On patauge là. Excusez-nous vraiment, mais... Alors, en ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. Oui. La cicatrice... Bah, il faudrait... Mais oui, nous cherchons tout ce qui a trait à l'histoire de... En cherchant en Carthage, peut-être. Ce sont sûrement des ruines qui auraient été peut-être brûlées ou qui auraient subi un tremblement de terre, peut-être, je ne sais pas. Carthage, on trouvera rien. Oh là là. Non, vraiment, là, 24. Alors ici, je regarde encore l'histoire. On s'excuse, hein, Philippe. Alors, on nous parle de... D'un lieu carte à Datch, mais ce lieu n'est absolument pas répertorié sur la carte. Non. Il me semble qu'il faut chercher plus dans la région du Cap Bon, dans les guides, que dans Carthage. Parce que l'histoire de Carthage est tellement vaste qu'on va s'y perdre. On va s'y perdre. Allez, j'ai le guide bleu là. Merci, alors d'accord. Tu veux le fodeau ou non? Non, ça va. Ben, je vais prendre moi ce guide. Ah, voilà ici une carte qui pourra peut-être nous renseigner. Il y a des ruines à Kerkouane, peut-être est-ce cela, je ne sais pas. Kerkouane. Voyons un petit peu. Kerkouane. Sur la côte. Oui. Philippe. Oui, est-ce que vous pourriez peut-être déjà vous diriger vers le sud-est, sur la côte est, vers Kerkouane. Il y a là des ruines, je n'ai pas encore repéré lesquelles, mais peut-être est-ce cela, vous pourriez prendre cette direction. Vous voyez sur la carte? Oui, je vois. Oui, je vois. Alors si vous voulez bien prendre cette direction, on va vous confirmer, hein. Alors, d'accord. J'ai toujours rien trouvé sur ça là. Je vois du côté du Cap Bon. 170. Ruine de Kerkouane. Alors voilà, ici on nous dit que Kerkouane sont des ruines puniques. Donc c'est la civilisation carthaginoise. On y traitait le murex, le fameux coquillage là qui servait à la pourpre. Il y a là des ruines. Donc vous souhaitez aller vers Kerkouane, hein, sur oui, la c'est côte. Ça. Oui, pour l'instant. Sur la côte est. Mais ce n'est pas confirmé du tout. D'accord. Il y a là des ruines. Nous cherchons, hein, avec Gilda, une confirmation. Oui, mais quelle est votre idée loin, mais, je sais pas, mon idée, c'est que nous avons affaire à des ruines archéologiques, vraisemblablement. Enfin, mais il y en a peut-être d'autres. Faut faire attention. Je n'en ai pas encore vu d'autres pour l'instant. D'accord. J'attends une confirmation. Allez, Loiria, il y a des carrières romaines, mais enfin, ça s'en est pas. Alors, il ne s'agit pas de choses romaines, hein, Non, justement. Encore que les Romains et les Carthaginois ont pu eu affaire. C'est pour mais ça il s'agit que de la naissance de Carthage, pouvait... ça me paraît être plus ancien. Dans la guerre, alors, on peut déchirer ce vie, non. Cela dit, en ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice. C'est cette cicatrice qui est gênante, par la vraiment, naissance je ne de vois Carthage. Pas du tout. En ces lieux, la cicatrice. Mais c'est par la. Oui, Philippe. Oui, je vous écoute. Vous avez quelque chose à me dire, là, d'important? Non, rien pour l'instant. Nous cherchons toujours. Voulez-vous que je me prends quelque part, j'essaie de trouver quelqu'un? Il y a des régions agricoles, il y a des gens, il y a des fermes. Voulez-vous que je me pose pour qu'est-ce essayer que de... Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Gilda et Jacques, voulez-vous mais que écoutez... je me pose pour essayer de trouver quelqu'un, poser quelques questions? Non. Moi, j'ai Kerkouane aussi. Constitue le seul plan connu d'une ville carthaginoise, oui, etc. Mais au-dessus, j'ai aussi les grandes carrières dont vous parliez, là. Ah, voilà. Oui. Qui fournissaient le matériel de construction pour Carthage. Jacques et Gilda, loin de moi, il y a un village. Voulez-vous que j'y aille pour me renseigner? Non, attendez. Non, on a une discussion animée, historico-géographique, car Gilda et...
Jacques ont deux idées différentes. Ah bon? Une thèse. D'accord, oui. Jacques, oui. Jacques et Gilda. Il s'agirait peut-être de carrière, alors, puisque justement la cicatrice serait peut-être toutes les pierres qu'on a extraites du sol, des rochers, pour construire Carthage. Oui. Et le... Alors elles sont où ces carrières? Eh bien donc, il devrait aller à El Ouaria. Puisque... À El Ouaria, oui. Ouais, à Ouaria, oui. Donnez-moi une. Qui est presque à la pointe du Cap Bon. Donc, alors, ah voilà, Philippe. Oui, Philippe. Oui, alors, regardez sur votre carte, en, au sud du Cap Bon, au bord du rivage, vous avez oui. Borj El Ouaria. Ah oui, je vois, oui. Oui, bon. Je vois. Alors, vous devriez aller là, je pense. J'ai dit que le pilote. Oui, oui il y a là des carrières. D'accord. Vous avez aussi El Ouaria. Alors, ici. On fait oui, c'est ça. On fait demi-tour. Les carrières sont là. Attendez, ah, en principe, là, moi, je vois rien parce qu'ils mettent ce village, donc, à bon, bord. C'est un village, ce serait le village, alors, des mulets. Oui, alors, ces carrières romaines. De vignes et de vergers. À mon avis, au centre. Alors, centre, ce serait, oui. Philippe. Oui, oui, Jacques. On rectifie. Vous voyez sur votre carte, au sud du Cap Bon, le village de la Ouaria. Oui, je vois. Oui, nous pensons que c'est plutôt là qu'il y aurait des carrières plutôt que le long de la côte. Dans le village. Oui, alors, au village. Allez vers ce village et renseignez-vous au sujet de grandes carrières. Au sujet de grandes carrières, d'accord. Oui, et des carrières d'origine ancienne, puisque les pierres de la carrière ont servi à construire Carthage. Ce sont des carrières romaines. D'accord. Oui. Ce n'est pas précisé. Grandes carrières qui... Ah non, on parle de carrières romaines chez moi. C'est ça, non, vous avez deux informations. Est-ce qu'il est possible de se poser dans le village, à Ouaria? Un savant français... Il faut que je rencontre quelqu'un, je lui demande... Là, c'est une... Je pose quelques questions. Alors, les carrières, moi, je trouve que... Pour la cicatrice, ça peut très bien jouer. Ah oui, jouer, ça peut coller, oui. Tout à fait, parce qu'effectivement, voilà, les carrières, c'est une cicatrice. Alors, quant à ça, là... Ici, j'ai déjà regardé. Il est question ici, dans le livre, de carrières qui se trouvent à 2 km au nord-ouest de El Ouaria. Où exactement? À Gar El Kebir. Ah bon, là, ici. Gab, oui. Là. Alors, est-ce que je vais dans le village? Gar El Kebir, c'est ça, Jacques? Oui, alors, oui, Philippe, vous êtes où exactement? Je suis maintenant, je vais arriver légèrement au sud-ouest du village El Ouaria. Oui, alors vous devriez remonter un petit peu, à mon avis, vous devez aller sur Gar El Kebir, au nord de El Ouaria, voilà. Je vais sur ma carte. Oui, nous allons à Gar El Kebir. Oui, alors Gar El Kebir, oui, c'est à 2 km au nord-ouest. C'est ça, la grande caverne. Et Gar El Kebir veut dire la grande caverne. C'est sur la côte. C'est sur la côte, Gar El Kebir. Oui, c'est sur la côte, en effet. Et Gar El Kebir veut dire la grande caverne. Kebir, vraisemblablement, veut dire grand. Alors donc, évidemment, une grande caverne dont les pierres on ont servi à construire en partie Carthage. Alors, nous avons utilisé 13 minutes 30 secondes, un petit peu plus. Alors, nous avons résolu, je pense, une partie de l'énigme. Vous avez demandé qui est Salah, oui. Là-bas. Alors, qui est Salah? Il faut peut-être attendre d'être sur place, car oui. Si jamais alors, c'est un personnage contemporain, on perdrait moins de temps. Par contre, moi, je vous engage à réfléchir sur la dernière partie de l'énigme. Oui, le ciel. Et du ciel viendra le trésor. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, ben... À part Philippe, sur la hauteur. Il y a un bateau, une carcasse de bateau, là-bas. Je suis sur la côte maintenant, donc... Oui. Salah, c'est ici, ce qu'on appelle Gar El Kebir. Alors, vous allez vers les cavernes. C'est ça. Vers la grande caverne, donc cette grande carrière. Mais nous n'avons pas identifié... le trésor doit vous venir du ciel. Et alors, oui. Regardez... Il y a énormément de... Il y a comme des grottes. Oui. La terre ici est, comment dirais-je, creusée. Oui. Mais et quand vous levez la tête, je veux dire, bon, il n'y a rien de particulier qui se trouve au-dessus de vous. À part les cavernes que voyez-vous. À part ces cavernes. Non, je ne vois rien de particulier. Rien du tout. On va essayer de. Il n'y a pas une histoire autour de ces carrières. Je ne vois rien pour l'instant. Dans une prison, mais ce n'est pas ça. On a l'histoire des carrières. On peut nous lire un petit peu ce qui s'est passé. Oui. Des blocs, c'est ce qu'on a détaillé. Alors, il n'y a pas de végétation, nous dit-on. Plusieurs vastes, une succession de vastes cavernes éclairées par des ouvertures carrées. Servant l'extraction des pierres, accessible par un chemin, etc. Mise en on valeur, poser, hein? Oui, oui, mise en valeur dès les premiers temps de l'occupation carthaginoise, bien. Il y a un âne et... Oui. Tu vois? Oui. Un âne et un personnage ici. Pardon? Il y a un monsieur en bas avec un âne. Oui, vous pourriez peut-être lui demander qui est Salah. Oui, alors demandez-lui qui est Salah. Si c'est d'accord. Un personnage. S-A-L-A-H. Je vais aller le voir. Oui. Qui a pu venir par le ciel.
Qu'est-ce qui a pu venir par le ciel? Quel est ce trésor? On n'a pas du tout. Ah là là, on en perd du temps. Index. On va essayer de demander si c'est peut-être... Ça va, attention vous, au temps, monsieur, tout de même. Nous avons utilisé beaucoup de temps. Il nous reste 29 minutes. Ah oui, là là. Combien? Tu vois quelque chose, toi? Oui. Oui, c'est ça. Philippe, vous avez atterri maintenant. Voilà, j'atterris, je vais vers le monsieur. Oui. Je demande si, oui, s'il connaît. Mais nous demandons ce qui a pu venir du ciel. Le trésor doit venir du ciel. Alors, comment ce trésor peut-il descendre? Non, monsieur, d'abord, je suis à la recherche de Salah. Oui, d'accord. Est-ce que vous vous appelez Salah? Oui, c'est une carrière romaine de travail esclave. Pardon? C'est une carrière? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Salah? Oui. Oui? Oui? Eh bien, allez-y directement. Alors allez voir ce Salah, il vous attend. Il vous attend. Salah. Salah, le Kbir, ici, le Kombri. Pardon? Ghar el Kbir. Vous ne connaissez pas? Attends. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Salah ou y a-t-il un personnage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Salah? Moi, Mohamed bin Sinan, soyez. Oui, mais vous appelez pas Salah, vous, monsieur. Si, oui. Oui, alors ce monsieur doit vous attendre, ce vraisemblablement. Ce monsieur vous attend. Pardon. Et demandez-lui s'il vous attend, s'il sait que vous devez venir. Est-ce que je vous m'attendiez? Pardon? Je ne sais pas s'il me comprend très bien. Pardon, oui. J'ai un doute, là. Est-ce que je suis à la recherche d'un monsieur qui s'appelle Salah? Oui. S'il y a quelqu'un, oui. Est-ce qu'il est par là? Bon. Voilà. Alors, quand vous êtes... Salah vous attend, le ciel... Est-ce que vous avez un trésor pour moi, monsieur? Avez-vous un trésor pour moi? Regardez ça, Jacques. Avez-vous un trésor? Mais normalement... Oui, demandez un petit peu... Carrière romane. Oui. Philippe. Philippe. Philippe, alors, il s'agirait de rapace et de faucon. Vous devez voir un faucon. Est-ce qu'il y a un faucon, là, tout près? Alors, la personne qui est avec moi est guide des grottes. Oui, alors il est grotte, mais... vraisemblablement. Vous vous appelez pas. Expliquez pourquoi. Oui, alors Jacques. Philippe, écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Voilà, ici on nous dit que cette localité, cette région est célèbre pour ses chasses aux faucons. Alors peut-être, au faucon, le rapace. Alors peut-être, justement, du ciel viendra le trésor. Il y a un rapace qui doit peut-être. Qui tient quelque chose entre ses griffes, peut-être, et qui doit le lâcher. Simplement qui attend Philippe. Ou un rapace qui vous attend, peut-être. Des faucons ici. L'autre côté du faucon, là. Où ça? Ah, derrière. Oui, allez voir les faucons. Allez voir les faucons, alors. Allez-y, vite. Le plus vite que vous pouvez. 18 minutes et une quinzaine de secondes de jeu, déjà. Je vois un autre personnage là-bas. Mais on approche, j'ai l'impression. Jean-Yves. J'espère. Je vois un autre personnage là-bas, je ne sais pas si... Attendez, j'y vais. Prends ton temps, Jean-Yves, j'y vais encore. La théorie du faucon vous séduit? Je pense, oui, manifestement, ce qui vient du ciel, c'est peut-être un oiseau, alors, parce que ça pourrait être il n'y a probable. Rien d'autre qui... Ça vous paraît logique, Philippe, des faucons dans cette région? Il y en a, vous en voyez, ou... Je n'en vois pas, non? Ah là là. Et vous allez vers quelqu'un qui a un élevage de faucons, c'est ça? J'ai un monsieur qui... Demandez-lui s'il s'agit de ce faucon, si c'est ça le trésor, alors. Et s'il s'appelle Salah, c'est peut-être... Et s'il s'appelle Salah aussi, oui, alors, exactement. Hein, oui. Ah là là. Monsieur, vous vous appelez Salah? Monsieur, vous vous appelez Salah? Voilà. Est-ce que vous avez un trésor pour moi? Écoutez, je le vois, il a... Oui? Anakin. Vous avez un trésor pour moi? Oui. Ah bon? Ah oui? Oui. Écoutez, voilà, je vois un faucon qui arrive. Ah voilà le faucon. Je vois un faucon qui arrive. Il arrive maintenant. Eh bien, il vient se poser là. Il vient se poser dans les mains du monsieur. Ça y est, je l'ai. Stop. Bravo, bravo. Merci, Philippe. Merci. On a bien entendu un sifflet, c'est ça, Philippe? Oui. On a entendu un bruit. À un moment, c'était un sifflet. C'est ça, même, monsieur. Donc, je lui ai demandé si ça plaît, ça, là. Et je lui dis, il m'a dit oui. Je lui ai dit, avez-vous un trésor pour moi? Et il s'est mis à siffler. C'est ça. Ah, c'est bien ça. Je n'ai rien vu, je viens de voir un faucon arriver. Je l'ai sur la main, du ciel, il est maintenant sur ma main. Il me mange les gants. Il fallait toute une série de déductions pour cette première énigme. Ah, ben, merci fond, Philippe, bravo. Panique, bravo à vous. Ben, je ne sais pas. La carrière, les faucons, tout ça était... C'est superbe, hein.
C'est la rencontre au Cap Bon de ceux qui viennent du ciel entre Philippe, le chasseur de trésors venu en hélicoptère, et le faucon venu du ciel, lui aussi, le faucon chasseur. Car dans cette région du Cap Bon se pratique toujours encore la chasse au faucon. S'y tient d'ailleurs un festival annuel de fauconnerie. La région est très célèbre pour cela, vous l'avez trouvé assez facilement. Par contre, ce qui vous a donné du mal quand même, c'est cette affaire de cicatrice laissée par la naissance de Carthage. Vous n'avez pas pensé tout de suite aux carrières. D'où étaient extraites les pierres qui ont servi. Il faut dire que Carthage, dans l'histoire de Carthage, on se souvient surtout de sa destruction. Vous savez, Caton l'Ancien l'a assez seriné, puisqu'il terminait tous ses discours par la fameuse formule Delenda Carthago, il faut détruire Carthage. Et cette formule a vraiment... j'entends encore le sifflet du fauconnier. Ce doit être vraiment superbe. Bon, c'est vous, Philippe. Il y en a peut-être plusieurs, donc je demande à Salah s'il peut rassembler tous ces faucons. Si vous pouvez appeler tous vos faucons, monsieur. Mais je vous préviens, Philippe, ça ne comptera pas comme deuxième ni comme troisième trésor. Hein. C'est bien dommage. Alors donc, Carthage a été détruite au bout de trois guerres puniques. Ils y sont enfin arrivés, ces fameuses guerres puniques qui ont alimenté les versions de nos petits latinistes. Et enfin, Carthage disparue. Il fallait penser dans notre énigme à la fondation de Carthage. Donc cette carrière d'El Aouaria, de Gar el Kébir, c'est-à-dire les cavernes, les galeries qui ont servi à l'extraction des pierres, qui ont servi à la fondation de Carthage. Et ces carrières étaient tout à fait redoutables. Des milliers d'esclaves ont travaillé là dans des conditions abominables. Ils creusaient un trou d'abord, et puis ils s'enfouissaient eux-mêmes, puisque c'était sous forme d'entonnoir, et ils n'en ressortaient plus. Il n'en ressortait plus, il creusait des galeries qui emportaient ces fameux blocs de pierre jusqu'à la mer et jusqu'à Carthage. Pour la plus grande gloire de Carthage. Oui. Il en est mort. Hein, des... Et de notre chasse au trésor. Absolument. Bien, première énigme trouvée, avec un petit peu de temps, mais on va se rattraper, j'en suis certain. Oui, maintenant, vous avez le rythme de l'émission. Il nous reste presque 20 minutes, un tout petit peu plus de 20 minutes même. Mmh. Philippe. Oui. J'ai la deuxième enveloppe. Oui, vous pouvez attendre un tout petit peu là, hein. On repart tranquillement vers l'hélicoptère. D'accord, alors. Voilà, cette Elsa a sûrement quelque chose énigme, à vous raconter. Vous savez qu'il était très très beau ce faucon. Vraiment, et quand il vient sur le bleu, détaché sur le bleu du ciel, c'est assez étonnant. Je ne pensais quand même pas prendre un faucon sur ma main. Jean-Yves, on va pouvoir démarrer. Vous êtes dans l'hélicoptère déjà, Philippe ? Voilà, on y va, si vous voulez. Ah bon, d'accord. Cette deuxième énigme qui vaut 34 246 francs belges, ma chère Gilda, et 5 000 francs français, la voici. Attention, Philippe. Oui ? Top chronomètre. Voici la deuxième énigme pour cette chasse au trésor au Cap Bon en Tunisie. Je la lis. Dans sa fuite, un marchand a oublié une amphore de pourpre près du signe de Tanit, cherché dans la rue de l'Apotrophion. Alors je répète cette énigme. Dans sa fuite, un marchand a oublié une amphore de pourpre près du signe de Tanit, cherché dans la rue de l'Apotrophion. Oui, alors Philippe, vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Oui, alors nous devons le trésor, nous devons trouver une amphore de pourpre, vraisemblablement donc de cette époque carthaginoise. Nous allons localiser l'endroit où elle pourrait se trouver, vraisemblablement dans des ruines. Oui, où ça? Alors, vous allez vers le sud pour l'instant, vous descendez vers El Aouaria et allez vers le sud, on vous dirigera un peu mieux après. On décolle et on va vers le sud. D'accord, oui. Alors, on décolle, on passe au-dessus de El Aouaria et on va vers le sud. 2030, 936. Alors, on a vu tout à l'heure... Okay. Vous avez vu quelque chose, Jacques? Mais j'avais aperçu quelque chose tout à l'heure à ce propos, je ne sais pas pourquoi. Et attendez, c'est peut-être... Je regarde. Oui, alors, Philippe, voilà, c'est à Kétouane. Je vois le signe de Tanit, ça doit être ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Bon, alors, voilà, je vous lis ce qu'on a dans le livre et vous vous dirigez vers Kérkouane. Vers Kérkouane, attendez, j'indique au pilote d'abord. Nous allons sur Kérkouane. Alors, vous nous lisez ce que vous avez trouvé, Jacques. Alors, vers Kérkouane. Alors, je vous lis ce que j'ai trouvé. Il s'agit donc d'une ville punique, donc carthaginoise. Et on nous parle des maisons, du plan type des maisons de la ville. Avec puits, salle de bain, salle d'apparat.
des pavements remarquables. Et alors, il y a des pavements avec le fameux symbole punique, dit le signe de Tanit. C'est souvent une déesse. En plein dans l'énigme. Alors, comment est-il ce signe? Le signe de Tanit, T-A-N-I-T. Et là, qui est, je crois, une déesse. Alors, vous allez Et que représente-t-il? Pardon? Que représente ce signe? Que représente le signe? Alors là, vraisemblablement un personnage. Nous allons chercher ce que représente Tanit. Je crois que c'est une déesse. Cap sur Kerouan. Cap sur Kerouan, alors, et vers les ruines archéologiques. D'accord. Cela démarre très vite. Il nous reste 22 minutes 40 secondes pour trouver la deuxième et ensuite, j'espère, la troisième énigme. Ah, ben oui, mais là. Là, vous êtes bien, vous avez bien cherché parce que le signe de Tanit était un repère évidemment très important et vous l'avez trouvé tout de suite. Vous l'aviez vu Mais je l'avais vu lors de la première si émission. Oui, dans votre première recherche. Nous allons sur Kerouan le plus vite possible. Ok, merci. Alors, on va voir exactement ce signe de Tanit. Qu'est-ce que c'est? Un marchand a oublié une amphore de pourpre près du signe de Tanit. C'est dans la rue de l'Enfanterie, donc ça doit être dans les rues. Gilda, oui. Moi, je l'ai pas le trésor, c'est l'amphore de pourpre. C'est l'amphore de pourpre, c'est bien ça, oui. Cherchez dans la rue de l'Apotrophion. Oui, là, c'est une rue du site archéologique que je n'ai pas trouvé ici pour l'instant. D'accord. Donc, vous retrouvez ce qu'est le signe de Tanit, très précisément ce qu'il représente. Ce qu'il représente, c'est ça, oui. Vraisemblablement un signe mystérieux, disons, qui représente indirectement la fameuse déesse, je pense. Pourquoi c'est une déesse? Alors, on va se plonger dans les livres sur l'histoire de Carthage, sur les guerres puniques dont parlait Elsa tout à l'heure, qui sont célèbres. On va peut-être chercher dans les index. Je suis toujours... Vous y arrivez, oui. Philippe? Pour l'instant, je suis au-dessus, donc je vais arriver à la mer, je viens de passer une région agricole. Et là, j'arrive maintenant à la mer, je retrouve la mer dans peut-être 1 km à vol d'oiseau. Oui, d'accord. Et je vais filer, plein sud sur Kerouan. D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez, Gilda? Mais je regarde à Kerouan si je ne peux pas trouver d'autres si renseignements. Si on parle de cette rue en question, de la rue, je crois que ce serait intéressant de situer précisément à cette rue. Le signe du Tanit. Oui, je suis en train de chercher dans le livre ici s'il y a un signe qui représente justement cette déesse Tanit. Il y avait un livre sur Carthage. Ah ben voilà, Tanit. Voilà, je viens. Voilà Tanit. Voilà, je suis revenu Tanit, Allez-y. Tanit, voilà. Alors, Philippe, vous allez vers les ruines de Kerouan, c'est ça? Alors, nous devons trouver une rue qui n'est pas mentionnée, mais nous avons ici le signe de Tanit. Alors, on va le montrer. C'est une gravure, c'est une pierre gravée d'un personnage dont le corps est un triangle. Oui. Une tête toute ronde avec des rayons qui sortent de la tête un peu comme un soleil, si vous voulez. Et des bras à angle droit vers le haut, les doigts bien écartés. À angle droit vers le haut? Oui, vers le haut. Alors ça, c'est le signe de Tanit. Seulement, nous devons trouver la rue dans laquelle se trouve ce signe. C'est la rue de l'Apotrophion. C'est la rue de l'Apotrophion. Oui, il faudrait trouver un plan des ruines que nous n'avons pas encore trouvé. Il faut aussi trouver une amphore de pourpre, Gilda. Ça vous fait penser à quoi? Une amphore de pourpre? Bon, ben... Vous avez atterri, Philippe? Non, je ne suis toujours pas à Kerouan. Qui a la couleur pourpre, probablement. Je ne sais pas, ça ne m'inspire pas pour l'instant. Ça va peut-être venir. On est loin c'est un de marchand, Kerouan. Hein. Dans sa fuite, donc... Oui, c'est un marchand. Une minute, J'ai lu dans un livre qu'il y avait donc le commerce du pourpre avec les fameux coquillages, le murex qui fournissait donc oui, c'est peut-être Oui. Lorsque je vais arriver à Kerouan, oui. Qui est donc indiqué sur la carte comme étant en effet un lieu archéologique des ruines. Oui, il y a peut-être alors vous allez vers ces ruines et vous demandez, nous n'avons pas encore trouvé de plan des ruines. Il y a peut-être un plan à l'entrée, je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'allais demander. Demandez où est la rue de l'Apotrophion. Apotrophion. Apotrophion. Oui, demandez où est cette rue. Et dans cette rue, vous allez voir le signe de Tanit. Oui. Vous qui nous parliez des coquillages, là, il y a un petit livre sur les coquillages. Il est peut-être pas là inutilement. Vous nous répétez, là, j'ai pas... Oui, alors... Exactement suivi votre explication sur la pourpre. Alors, c'est le murex qui est donc coquillage qui produit la pourpre. Et cette pourpre était exploitée à cette époque-là. Voilà, ce sont les Phéniciens qui ont commencé cette exploitation et qui, par, disons, exportation... Oui, mais il faudrait trouver...
On arrive à Kirkwan, un plan. Bientôt. On arrive à Kirkwan bientôt. Alors est-ce qu'ils sont... On y est presque alors, Philippe. Oui. Bon, oui. D'accord. Ceci ne nous apprend rien de particulier. On nous décrit les coquillages, mais... Oui, ce sont les murex, toujours. On parlait des Carthaginois ici, mais... Ici, moi, je vois rien. Alors, oui. Alors, quand... Donc, Philippe, vous êtes à la recherche du... S'il y a un plan des ruines, ce serait très précieux. Nous n'avons oui, encore rien trouvé. J'ai bien compris. Fois. Sinon, je suis à la recherche de la rue Apotrophion. Oui. Et je dois trouver un signe. Alors, dans cette rue, vous trouvez le signe de Tanit. Et alors, près oui. de ce signe, vous avez une amphore. D'accord. Et c'est le trésor, une amphore de pourpre. Et d'accord. c'est le trésor. J'ai bien compris. Mais vous, vous disiez sûr, aucun plan. On arrive. Voilà, le copilote me fait signe que nous arrivons maintenant sur Kirkwan. Je ne vois toujours rien. Mais je pense qu'ils connaissent la région. Est-ce qu'on vous voit allez me poser là maintenant je... Ah oui, oui, on se pose le plus vite possible, Rida. Oui, vous, vous, ne... vous voyez les ruines archéologiques d'en haut. Je vois un muret. Et je vois, oui, je vois des ruines. Il c'est y a ça. En effet une cité. Mais alors les murets ne font pas plus de 50 cm de haut. Il y a comme un plan. Oui, regardez s'il n'y a pas un plan quand vous arrivez bon, où, Rida, qui indique la rue de l'Apotrophion. Je ne vois rien, c'est une... Oui. Comment dirais-je, un site qui doit faire à peu près 200 mètres de ce diamètre. Il est circulaire et il donne sur la mer. Rida, si on peut se poser le plus vite possible. Oui, Philippe. Je ne vois pas de plan. Vous êtes à l'entrée des ruines. Je suis à l'entrée des ruines. Je vois sur un petit muret, je vois une plaque. Alors je vais peut-être aller voir. Oui, d'accord. Allez-y, alors, il faut Philippe, absolument trouver le plus cette vite rue, possible. Ou bien demander à un gardien, s'il y a un gardien des ruines, oui, peut-être. S'il y a quelqu'un, oui, qui pourrait vous renseigner davantage sur cette rue. Je ne vois personne, je ne vois pas de gardien, mais j'ai vu une plaque sur un petit muret, alors je file voir. Mais c'est assez étendu. Je vous dis, les murets ne font pas plus de 50 cm. On l'entend pas bien, Philippe. On ne absolument Philippe, pas hein. de plan ici. Attendez. On parle de rue, mais c'est tout pour l'instant. Je crois avoir vu une plaque par là-bas. Je cherche encore, j'ai peut-être mal regardé. Attends, livres, attends, là, qu'est-ce que Philippe, j'ai comme plan, là la demande ou la oui, trouve. Oui, il y en a une autre, là. Philippe, il n'y a personne, là, près de vous. Pas de gardien des ruines. Écoutez, Gilles, il y a une plaque, il y a marqué rue des artisans. C'est pas ça. Rue non. des artisans. C'est pas alors, ça. Cherchez... Il y a vraiment personne, là. Il n'y a pas de gardien, là. Non, je fais le tour de... Non, je ne vois personne. Ah là là. Attendez, une autre rue. Si on pouvait trouver un plan... Rue du collecteur, c'est pas ça. Rue de l'Apotrophion, oui, Philippe. Oui, moi j'ai vu rue des artisans, rue du collecteur. C'est pas ça. Je cherche s'il y a d'autres plaques. Jean-Yves, tu vois pas d'autres plaques? Là-bas? Ah oui, là-bas. Vous êtes à l'entrée j'en ou... J'ai une autre plaque. Rue des deux places. Oh là là. Pas de chance. Non, nous ne trouvons pas cette rue dans les rue livres. Non, non. Vous n'avez pas de plan de... Non, 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 mais on, non, cherche, on cherche, regarde, on cherche on a peut-être bien mal, dit, mais... On ne voit pas cette, ce plan, cette rue. Je continue de faire une autre rue, une autre plaque, là. Rue du Temple. Oh là là, rue c'est pas temple. La bonne, ça va être je la dernière. Je suis maintenant tout près de ma mère. Je remonte par là. On nous parle principalement de... Non, la rue principale, les maisons, les sols, là, les rien, pavements... Là, aucune... Je ne vois pas d'autre plaque, là. Non, là-dedans, j'ai pas encore regardé. Ça va? Et ici, non. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Nous avons beaucoup de documents. Oui. Il y a beaucoup de visiteurs, là, Philippe, dans ces ruines. Pardon, il n'y a personne? Non, je ne vois personne. Oh là là. Et Jacques, encore une plaque, attendez. Rue de l'Apotrophion. Repérez le signe maintenant. Vous devez regarder où est le signe. Repérez le signe de Tanit. Non, je ne vois rien. Alors, je rentre. Elle est pas dans vous la pouvez rue, le redécrire ce signe. Oui, alors Philippe, je vous redécris oui. le signe. Hein? Oui. D'accord. Alors donc c'est sur une pierre, c'est gravé, c'est creusé dans la pierre un personnage. Le corps est un triangle. Oui, j'ai bien compris, un triangle, une tête et une et tête des bras. Ronde et c'est des bras ça. Angle droit vers le haut, les doigts écartés. Et ce signe devrait être sur le mur. C'est un dessin très sommaire. Je vois pas. Et là donc devrait se trouver l'amphore de pourpre. Et il y a des mosaïques là. Vous oh, voyez un signe. Vous j'ai, l'avez j'ai un signe ici. J'ai un signe qui représente exactement ce que vous m'avez indiqué. Oui, alors oui, vous êtes très attention. Long attention. Long. Stop. Vous l'avez j'ai une amphore. Vous l'avez bravo, Philippe. Merci. Ah. Bravo. Juste caché derrière un petit muret à un mètre de ce signe. En effet, c'est pas tout à fait celui que j'ai dessiné, mais c'est presque pareil. Vous nous décrivez rapidement l'amphore, merci, Philippe. Philippe merci. Comment vous nous décrivez rapidement l'amphore. Bah, l'amphore est une amphore. Je peux pas vous en dire plus. D'accord. Elle est devant moi, je l'ai dans les mains, et maintenant je la mets à côté du signe de Tanit. Voilà. Bravo.
Avant les explications, vous avez trouvé à 13 minutes 45 secondes de la fin. C'est dire qu'il vous reste du temps pour terminer cette chasse et peut-être pour trouver la troisième énigme et le troisième trésor. C'est ce que je vous souhaite. Vous avez très bien cherché, c'est mon avis. Vous avez très très bien joué, vraiment. C'est votre avis, Elsa. Vous avez un rythme formidable. Vous avez rattrapé le petit retard du début et vous vous êtes dirigé très très vite vers les ruines de Kerkouan. C'est sûr qu'ils rattrapaient leur retard. Kerkouan, ça vous a un petit air breton, mais en fait, il s'agit bien d'une ville punique, une des seules ruines, une des seules villes puniques qui existent au monde, en fait. Parce que Kerkouan, ces ruines qui ont été mises à jour en 1952 par un archéologue français, Charles Somagne, sont pratiquement intactes. Cette ville a été abandonnée et non pas détruite. En même temps que Carthage a été détruite, et donc pratiquement tout est intact et tout a pu être reconstitué. Ce sont tout à fait des noms théoriques, évidemment. La rue de l'Apotrophion, la rue des Verriers, la rue des Artisans, tout cela a été reconstitué. Alors, le signe de Tanit, Tanit est en effet une déesse, la déesse de la fécondité, une des formes de l'Astarté des Phéniciens. Elle a joué un très grand rôle à Carthage aussi. Je ne sais pas si vous avez lu Salammbô. Moi, j'ai relu Salammbô pour préparer cette énigme et cette émission. Et Gustave Flaubert avait déjà parlé de Tanit. D'ailleurs, Salammbô est morte pour avoir touché le manteau de Tanit. C'est une fort belle histoire et qui vaut la peine d'être relue, d'ailleurs, je crois. Alors, qu'allons-nous faire avec cet amphore de pourpre? Moi, je suggère quelque chose à Philippe. Je crois savoir qu'il teint lui-même son costume de lumière de reporter. Et alors, je vous suggère de la garder, cet amphore de pourpre, et puis teignez votre prochain costume. Eh bien, c'est une excellente idée. Merci, Elsa. La pourpre fabriquée, vous nous le rappelez, Jacques, parce que la pourpre est un produit naturel qui vient d'un coquillage, une variété de coquillage, le murex. Le murex tinctoral. Et qui était très employé. C'était la chair du murex qui, macérée, donnait cette pourpre royale de tir qui était fort cotée dans cette région. On allait très loin pour la chercher. On a appris beaucoup de choses grâce à ces deux premières énigmes sur les guerres puniques, sur Carthage, sur ce qui s'est passé à cette époque au Cap-Bon. Nous allons repartir. Je prends la troisième énigme. Merci, Elsa. Elle vaut 20 000 francs français, 136 986 francs belges. Ça fait beaucoup de francs belges? Ben ça va, pas mal. Pas mal. Attention Philippe. Oui, nous sommes prêts et nous décollons. Troisième énigme, troisième trésor, top chronomètre. La voici. Nous allons essayer d'aller aussi vite et d'être aussi efficace, vous allez essayer, que pour la deuxième. Je la lis. C'est en montant à l'assaut d'un canon que ma poire à poudre est tombée. Il y a une signature, un soldat de Charles Quint. Alors, c'est en montant à l'assaut d'un canon que ma poire à poudre est tombée, signé un soldat de Charles Quint. Voici la troisième énigme pour cette chasse au trésor au Cap Bon. Jacques, déjà, votre inspiration première. Alors moi, je nous survolons un massif de fleurs, des couleurs étonnantes, violet, rouge, pourpre, vraiment de toute beauté. Oui, alors Philippe, vous avez bien entendu l'énigme. Donc l'énigme. Nous cherchons une poire à poudre. Une poire à poudre. Oui, tombée près d'un près canon. D'un canon. Près d'un canon. Alors, et on nous parle d'un soldat de Charles Quint. Donc il s'agit d'événements du XVIe siècle. Et donc, il faudrait voir s'il n'y a pas un fort vraisemblablement construit par les Espagnols quelque part. Alors, attendez, il y a des gens là, je peux peut-être leur demander. S'il y a un fort, oui, alors demandez s'il y a un fort d'origine espagnole dans la région, en attendant qu'on le trouve. D'accord. Alors, je relis, Philippe, précisément oui, l'énigme. Tout près de ces gens-là, je vais leur poser des questions. Voilà, donc, l'énigme. C'est en montant à l'assaut d'un canon que ma poire à poudre est tombée. Et c'est signé, effectivement, un soldat de Charles Quint. Donc, l'histoire se situe au XVIe siècle, Jacques. Oui. Hein, c'est ça? Alors, je pense que ça pouvait peut-être être dans la première partie du... Attendez, je regarde. Alors... C'est en montant, n'est-ce pas? Non. Oui. Pardon, messieurs, je suis à la recherche d'un fort d'origine espagnole. Est-ce qu'il y a un fort dans la région? Un fort, une forteresse? Est-ce qu'il y a une forteresse dans la région? Attendez, vous ne comprenez pas très bien. Excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait un fort d'origine espagnole? Oui. Oui, il y a un fort, Philippe. Où ça? Aussi, ici. Non, ici? Pas la cité archéologique. Un fort, une forteresse. Un fort.
fort. Il y en a une tout près, Philippe. Monsieur, attendez, je n'ai pas encore de réponse. Mais je suis à la recherche d'un fort. Un château. Il est comme un fort dans la région. Rasmus Steff à côté de qui? Comment? Il est Tunis. Tunis. Philippe. Mais ce n'est pas dit que c'était espagnol. Non, ça n'a pas. Tunis, c'est beaucoup loin. Philippe, on vous entend très mal, là. Est-ce qu'il y a un fort tout près? Non, je demande, je pose la question aux gens qui sont autour de moi, espagnol, ce fort, oui, c'est ce que je suis en train de chercher. Comment, alors, Philippe, on a trouvé un fort, un château, mais nous attendons... attendez... Borch, ça serait fort, alors, espagnol. C'est ça. Oui, ou s'il y a un rapport avec Charles Quint. Ah, voilà, attendez, Philippe, ici, Philippe, on a l'information. Oui. Philippe, écoutez, Kelibia, de 1535 à 47, la ville fut mise à sac à trois reprises par les Espagnols. Et il y a une forteresse d'origine byzantine. Ah, c'est bon, ça. Oui, allez-y, Philippe, le plus rapidement possible. Au revoir. Donc il faut descendre. Oui, il faut descendre au sud, Philippe. D'accord. Légèrement au sud-est. Nous allons vers le sud-sud-est, sur Kilibia. Oui, sur Kilibia. Kilibia. Et alors, la forteresse de la plage. Elle s'appelle, comme vous l'avez dit, Rasmus Stefan. C'est bon. Oui, oui, c'est ça, le plus vite possible, chef. Le plus vite possible sur Kilibia. Oui, alors Philippe, la forteresse est au bord de la plage. C'est tout près de la plage, Philippe. Tout près de la plage. Oui. De la plage, oui. Vraisemblablement, les canons, bien sûr, dirigés vers la mer. Écoutez, nous venons de décoller. Je ne sais pas si c'est un fort ou si c'est un relief naturel, mais en face de nous, là-bas, à peut-être plusieurs kilomètres, il y a une... 10 minutes. Comme une table. Une table rocheuse. Oui. Et c'est peut-être là. Ici, je viens de trouver, Philippe, oui. qu'en effet, à Kelibia, cette forteresse, la ville et la forteresse ont subi le pillage sous Charles Quint. Donc, il s'agit bien de cette époque-là. Hein. Nous sommes dans l'énigme. Nous sommes dans l'énigme. Est-ce qu'elle a le nom que vous nous avez donné, Jacques? Mais je n'ai pas revu. Sur une carte, j'ai vu le Rasmus Steffa. Vraisemblablement, la forteresse est en bord de la mer, sur la pointe de Rasmus Steffa. Voilà, je suis pour l'instant, donc toujours sur la côte, je suis au ras de l'eau. Avec l'hélicoptère de l'armée tunisienne, nous filons sur Kelibia. Je vous promets, nous allons le plus vite possible. J'ai demandé au pilote de faire le maximum. Oui, d'accord. Philippe, oui. Très bien, Philippe, oui. Jacques, Gilda, il faut survoler Kelibia, le dépasser. Et aller, à mon avis, oui. Alors, Philippe, à mon avis, vous devez aller jusque Kelibia, la pointe de Rasmus Steffa, qui se trouve à l'est. Vous voyez. Attendez. Vous le voyez sur votre carte? Oui, alors là, il doit y avoir un fort. Cette forteresse doit être là, à mon avis, sur cette pointe. Ça me paraît logique. Oui. Mais écoutez, plus j'approche dans tous les cas, plus j'ai l'impression que ce que je voyais tout à l'heure face à moi est un fort. Oui. Il semble être donc une grosse forteresse. Oui, vous voyez... Mais là, je ne le vois plus, là, je n'arrive pas à le voir. Vous le voyez, là, Philippe? Oui, oui, je l'ai devant moi, j'arrive à le voir à l'œil nu. Et nous y filons. Combien de temps nous reste-t-il, Gilda et Jacques? Oui. Combien de temps nous reste-t-il? Il vous reste, il nous reste 8 minutes, Philippe. Si on peut... Vous voyez le fort? Attendez. Si on peut aller directement sur le fort... Oui, trois devant. À El Awash, là. Vous avez juste en dessous d'El Awash. Oui, voilà, trois devant. C'est ça. Voilà, oui. Je quitte la mer et nous allons maintenant... Oui, c'est sûrement le fort. Vous n'avez pas trouvé le nom de ce fort? Non, sur une carte, il y avait Rasmus Steffa, mais forteresse byzantine... Ben, Rasmus Steffa, on va peut-être trouver quelque chose, dès que je vais survoler ce fort, maintenant se distingue beaucoup plus à mes yeux, et je vous promets, c'est un fort, ça semble être un fort. Dès que j'arrive au-dessus, qu'est-ce que je cherche? Ben, alors, vous cherchez, donc, voir un canon... Et près du canon, le trésor, c'est une poire à poudre. Un canon? Oui, donc un canon, et à côté du canon, près de ce canon, la poire à poudre espagnole, donc, bien entendu. Hein. Alors, c'est le fort de Kelibia, je n'ai pas l'impression qu'il y a un nom. Est-ce que quelque chose dans votre énigme me permet de localiser la position du canon? Ah non, alors là, pas du tout. On nous dit que le soldat a monté à l'assaut du canon, donc il a vraisemblablement ce canon domine des rochers. Des rochers, oui, J'ai des précisions sur la situation. Vous avez parlé des murailles. Sur la situation géographique du professeur de géographie. Outre le spectacle de Tanzan, Kelibia nous retiendra par le pittoresque de cette situation avec le fort qui la domine. C'est au sommet d'une haute colline. Voilà. Une énorme forteresse carrée, aussi haute que le rocher. C'est ça. Alors, sur lequel elle prend assise. Et dont les murailles crénelées sont épaulées par des puissantes tours carrées. Philippe, vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Oui, alors, le fort est situé sur une haute colline. Oui, exact. Le fort est situé sur une haute colline. C'est ça. Alors, vous montez. Tâchez de repérer des canons et on nous parle de tours. Il y a des tours carrées. Je vais demander au pilote. Nous allons survoler, contourner le fort et je suis à la...
6 minutes 30. Combien? 6 minutes 30. 6 minutes 30. Oh là là. Voilà, nous arrivons maintenant à proximité du fort. Oui. Attends, vous voyez les tours carrées? Je vois les tours carrées, oui. Vous pouvez vous poser ou descendre Vous vous posez alors au pied du fort. Dans le fort, c'est pas possible. Écoutez, je ne suis pas encore au-dessus de ce fort. D'accord. J'en approche. Peut-être au-dessus des tours. Moi, je ne sais pas si c'est possible, s'il peut descendre. Je vais peut-être le survoler. 6 minutes, Philippe. 6 minutes pour vous poser. Et peut-être escalader. On cherche un canon, j'arrive. Un canon. Il faut trouver la situation du canon. Vous ne voyez toujours pas de canon? Ah, je vois un canon ici. Vous voyez un canon? Je vois un canon. Oui. Je vois un canon, mais je ne vois... Je cherche. Je vois un canon. Est-ce qu'on peut re-survoler le canon? Est-ce qu'on peut survoler le canon, Rina? Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est le sol? Oh, il y a un autre ici. Oh, il y a un deuxième canon qui est dessous. Il y a un deuxième canon qui est dessous moi. On se pose. Ils sont loin l'un de l'autre. Est-ce qu'il y en a... Oui, assez loin. Attendez, je re-survole le premier. Tu peux tourner dans l'autre sens. Ah là là. Vous y êtes tout près, là, Philippe. On se pose, Rina. On cherche une poire à poudre, c'est quoi exactement? Écoutez. Ce sont des petits objets généralement qui étaient... Oui. On se pose. On se pose, Rina. Oui, montez vers les ruines et regardez près des canons. Je crois que pour l'instant, on pourrait vous dire d'autre. Où êtes-vous posé, Philippe, exactement? Je vais pouvoir me poser au centre de la forteresse. Oui. Au centre de la forteresse. Bon, alors, c'est ça. Vous allez vers les canons et vous repérez les poires à poudre. Vous décrivez, savez, les poires à poudre, ce sont des petits objets généralement légèrement arrondis, décorés ou gravés parfois. Je vois, et qui contenaient la poudre des canons, vous savez. On en voit dans les musées parfois. Oui. Vous voyez ce qu'on peut dire, là? Écoutez, je viens de descendre de l'hélicoptère. Je laisse Jean-Yves qui va essayer de me rejoindre. Je vais voir si sur le canon, là, je vois une poire à poudre. Vous êtes où exactement, Philippe? Vous montez Je me suis posé à l'intérieur de la forteresse. Oui. D'accord. Oui. Et maintenant, je me dirige vers le premier canon que j'ai vu. Il est loin encore, Philippe? Non, je ne suis plus très loin. Et vous en avez vu combien de canons? Deux? J'en ai vu deux. Il y en a deux. Voilà, j'arrive. Les recherches sont limitées, alors. Cherche une poire à poudre, je ne vois rien. Regardez bien, c'est un gros objet. Alors, c'est en montant à l'assaut du canon. Ah, oui. Je vois, je suis au bord de la forteresse. Oui. Je vois les remparts, je vois une poudre. Mais je peux pas. Je vais chercher ma corde. J'arrive. Allez, expliquez-nous, Philippe. Je vais chercher ma corde. Il vous faut une corde. C'est sur le rocher. Je peux pas descendre. Il faut que j'aille prendre ma corde dans l'hélicoptère. Vite. Je retourne. Vite, Philippe. 3 minutes 40. On est sur vous, là. Là, on ne peut plus rien faire, je pense. On ne peut plus rien faire, nous. Écoutez, je ne peux pas, je ne pouvais pas descendre. Je ne pouvais pas descendre comme ça en sautant. Il s'est fait, il y a à peu près 10 mètres. Je suis obligé de revenir dans l'hélicoptère pour prendre... Ah, ils vont prendre la corde dans l'hélicoptère. Vous avez une corde dans l'hélicoptère? Oui. La corde. 3 minutes, corde. Nous sommes rivés, ou nos yeux sont rivés sur le chronomètre. Voilà. 3 minutes 10 secondes. Philippe, vous l'avez la corne? Voilà, je viens de prendre la corne. Maintenant, je repars. Vous repartez avec la corne? Oui. Mais vous devez en faire quoi? On n'a pas très bien compris. Cette poire à poudre. J'ai vu la poire à poudre. Elle est loin. Elle est sur les rochers, alors. Verticale du canon. Elle est où exactement, cette poire à poudre? Verticale du canon, c'est ça. Au milieu du canon, c'est ça, oui. Et alors... Au milieu du rempart. 2 minutes 45 secondes. Alors, encore un tout petit effort, Philippe. Alors vous devez faire comment, Philippe? Vous devez attacher la corde où? Voilà. Mais vous... Je vais accrocher. Ça va? Et vous... Écoutez, je souffle. Je vais accrocher ma corde au canon. Au canon, carrément. Jean-Yves, tu peux accrocher et faire cette corde. Et c'est loin, c'est profond par rapport au canon, c'est assez bas par rapport au canon. Attendez, oui. Mais il ne faut pas que je me taille, je travaille, si vous voulez bien. On va le laisser faire, hein, parce que... Oui, on ne peut plus rien faire, parce que c'est fatigant pour vous. Il est très essoufflé. Sinon, j'ai fait... Voilà. Je ne sais pas si ça va aller. On verra bien. Hein? Combien de temps reste-t-il? 2 minutes, 2 secondes, Philippe. 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes, oui. 2 minutes pour descendre donc sur cette corde, grâce à cette corde. Oui. Accroché à cette corde que vous avez nouée autour du canon, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, exactement. Vraisemblablement, les soldats montaient par le rocher pour assaillir cette forteresse. Combien de temps? Oui, je ne vois pas la poire à poudre. Tenez-moi au courant, combien de temps? Encore une minute quarante. Ça ira, à votre avis? Oui, ça va aller. Ça va aller. Est-ce que ça tient bien? Est-ce qu'on peut vérifier? Non, ça tient pas, ça.
Ah non, ne faites pas d'imprudence. Non, vérifiez, ne risquez quand même pas la produit, hein. Vous pouvez vérifier si ça tient. Soyez prudent voilà. Quand même. Je suis maintenant dans la falaise. Dans combien de temps reste-t-il? 1 minute 20. Écoutez, j'y suis. Je suis à quelques mètres. Je l'ai à portée de la main. Attention. Stop. Bravo Philippe. Merci, un grand merci. Merci, un grand, grand merci. Ah, je viens de la faire tomber. Et bravo pour votre exploit. Je viens de la faire tomber, mais je la mets, je vous promets, je vais la chercher tout de suite. Et si vous venez à Bruxelles, on se rencontrera, hein. Exactement, voilà, je l'ai encore. Merci là, Philippe. Ciao. Voilà. Trésor, troisième trésor trouvé à 1 minute 12 de la fin. Je crois que Philippe a fait une fois de plus. Allez, on est habitué maintenant, mais tout de même, à chaque fois, c'est formidable. Ah, oui, oui. Un très bel exploit sportif. Bravo, Philippe. Mais vous avez très bien cherché. Hein, je crois que ça, peut le confirmer une fois encore. Vraiment, aussi bien Jacques que Gilda, vraiment, tous deux ont fort bien joué. Ils ont bien recherché. Ils avaient beaucoup de connaissances déjà au départ, apparemment. Oui. Mais non, c'est bon. Ça aide quand même. Hein. Enfin, pour en revenir à cette citadelle, ce Bordj de Kelibia, vous savez que la Tunisie, et en particulier cette région du Cap-Bon, nous vous l'avions laissé entendre, Didier et moi, au début de l'émission, a été vraiment, a connu au cours des siècles un déferlement incessant d'envahisseurs. Alors, dans l'ordre et le désordre, j'en oublierai certainement, il y a eu les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Espagnols, les Turcs, les Italiens, les Allemands, j'en oublie certainement, les Français évidemment. Enfin, en tout cas, la ville de Kelibia, vous l'avez trouvée, Jacques, a été au XVIe siècle mise à sac 3 fois par les Espagnols, 3 fois reconstruite. Alors, il est tout à fait plausible qu'un soldat de Charles Quint ait perdu là sa corne à poudre, pourquoi pas, et que Philippe la retrouve aujourd'hui. En tout cas, bravo encore. Merci. Philippe, vous êtes remonté avec votre poire à poudre. Oui. Ça va, Philippe, vous avez repris votre souffle. Eh bien non, parce que je suis en train de le perdre à nouveau, puisque je viens faire le tour pour retrouver Jean-Yves, qui est près du canon. Je voudrais quand même terminer peut-être cette émission sur ce canon. Écoutez, je vous promets, j'ai fait le maximum et on a gagné, c'est tant mieux. Merci encore. Bravo, Philippe. Alors, il a fallu que je reparte à toute vitesse vers l'hélicoptère pour prendre ma corde. Voilà, j'ai la poire à poudre et je vais la mettre devant le canon pour terminer cette émission. Bravo. Bravo Philippe, bravo, merci. Félicitations pour cette très belle recherche. Voici un jeu de la chasse au trésor en souvenir et puis peut-être pour jouer avec vos élèves. Oui, pourquoi pas, jamais, bien sûr. À Bruxelles, vous avez trouvé les 3 trésors. Les 3 énigmes, vous les avez résolues. 188 350 francs belges, c'est ce que vous avez gagné pour cette chasse au trésor au Cap-Bon en Tunisie. Merci, bravo, bon retour en Belgique. Merci à vous. Amitié autour de vous et à bientôt à tous pour une prochaine chasse au trésor.